Chers dames et messieurs, comment allez-vous et bienvenue, c'est votre émission Common Less Dance. Alors, je commence toujours par vous remercier pour vos emails. Un grand, grand merci, ça fait plaisir pour lire ces bons emails chaque semaine. Et aujourd'hui, on va célébrer la danse comme d'habitude. I will take you to South America to celebrate amazing dances. But in the meantime, on tonight's show, we have amazing dance performances by Baila con Estilo. Featuring Agnes and Yasmina. Sandrine et Romain, Denis et Gita, Jace et Conchita, Bernard et Manika, Patrick et Annie, Lena, Shirley, Alexandra, Johnny Oaitzi, Terence et Noémie, our resident DJ Yudish Dusoy, Evolution of Dance, Name That Dance, Artist of the Day, La Fleur Malade. A new chance to win a voucher worth at 2,000 rupees offered by Tamak Limited. Et nous revoilà, chers dames et messieurs, c'est votre émission préférée, les vendredis soirs, bien sûr, Come On, Let's Dance. On va célébrer la danse aujourd'hui. Like I said at the start, we're going to take all the way, I'm going to take you all the way to South America to celebrate Latin dance. C'est le thème d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, comme vous le savez très bien, toutes les semaines, nous faisons un petit trend. Le trend of the tonight, a group from the 90s, des années 90. Alors, Jade, alors, The Ten and This, Don't Walk Away, and they've got a beautiful dance. Let's check it out. Together. Give it to me, give it to me, give it to me. Et bien sûr, aujourd'hui, le thème Latin Dance. Quand on dit Latin Dance, alors on pense tout de suite à l'Amérique du Sud. Et bien sûr, dances, dancing like salsa, cha-cha-cha, et bien sûr, merengue, and of course, bachata. And the list goes on. And if we go a bit further more, Puerto Rico, là, c'est un peu reggaeton. And bien sûr, if we go a bit to Cuban, we've got Cuban salsa. And of course, Argentina, they're well known for their tango. In the meantime, I've got a clip about Latin dance for you. We check it out together. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see. La danse sociale est une version non compétitive de la danse de salon et de la danse latine. Il comprend toutes les mêmes danses comme le foxtrot, le tango, le swing ou le cha-cha-cha, mais conçu pour être utilisé dans des contextes pratiques comme des réceptions de mariage, les boîtes de nuit, les réunions d'affaires ou les réunions informelles.
La danse sociale est moins formelle que la danse d'exhibition et doit être appréciée tout en socialisant. La compétence la plus importante pour une bonne danse sociale est dirigée et de suivre. Il s'agit de la communication non-verbale, du leader au suiveur, indiquant la direction, le timing, le style, entre autres. En fin de compte, la danse sociale consiste à avoir la capacité de converser tout en dansant, être capable d'effectuer plusieurs tâches, comme discuter du travail ou de la météo pendant la valse, demande un peu de pratique, mais permet à la danse de devenir une utilisation naturelle beaucoup plus rapidement. Et voilà, Come on, let's dance, l'émission là where we celebrate dance. Et aujourd'hui, je suis très, très heureux d'avoir avec nous le groupe Bala Constile live dans le studio avec tout le monde. Alors, vous allez vous régaler aujourd'hui. Et bien sûr, là, j'ai Terence, le directeur du groupe, Terence, et Sandrine qui est avec moi. Alors, bienvenue, ça fait plaisir de vous avoir. Terence, comment ça va? Bonjour, Jerry. Donc, je vais très bien. Merci. Alors, et Sandrine, comment ça va? Très bien, merci Jerry, super bien. Ah, toujours souriante. Toujours, ravie d'être là avec vous. Et j'aime bien votre posture, vraiment danseuse. Et voilà. Alors, ouais. Thérèse, on va parler de Baila con Stilo. Comment ça se passe avec le groupe? Alors, Baila con Stilo, en fait, c'est une union d'écoles de danse. Donc, on est plusieurs écoles de danse à travailler ensemble pour développer les danses sociales à Maurice. Donc, les danses sociales différentes des danses spectacles. Donc nous, on danse pour le fun, on danse pour s'amuser, on se réunit en soirée et en fait, on va danser avec tout le monde, ok? Et on apprend à guider pour les cavaliers et on apprend à suivre pour les cavalières. Et de cette façon, on peut danser partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la danse? Oui, j'ai commencé à danser, j'avais déjà 5 ans, en danse classique, ensuite danse moderne, contemporaine. Après, j'ai commencé les danses de salon aussi, donc tango, rock, rumba, etc., cha-cha. Et après, j'ai démarré la salsa et la bachata. Donc voilà, donc c'est les danses aujourd'hui que je danse à Maurice. J'ai commencé en France. J'ai fait aussi en Espagne. J'ai vécu quand même quelques années en Espagne. J'ai fait quand même pas mal de salsa et de bachata. Donc voilà, aujourd'hui, avec Terence et toute l'équipe donc, que j'ai rejoint en 2019, déjà. Ça fait déjà longtemps. Donc depuis, on essaye de faire grandir la communauté de danseurs et partager notre passion. C'était toujours à l'amour pour la Latin dance pour vous? La salsa, vraiment, les débuts de la salsa, pour moi, ça a été ma danse fétiche préférée. Jusqu'à aujourd'hui, la musique, hein, même Latin jazz, tout ce qui est autour de la salsa, du Latin jazz, ça a toujours été parmi mes musiques préférées. Et donc, pouvoir venir danser dessus, c'était vraiment un plus. Voilà. Donc, Terence, Latin dancing, on dit « it's very sensual ». Very passionate, bien sûr, plein d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter avec tout ça? Oui, c'est surtout plein de fun et on s'amuse tous ensemble. Et c'est ça qui est bien, c'est peu importe l'âge, peu importe la condition sociale, peu importe la corpulence, on est tous là ensemble et on passe de bons moments. Et vous êtes basé où, à l'île Maurice, si on veut venir? Alors, rejoindre votre groupe. On est principalement à Flic-en-Flac, Tamarin, Moka, Beaubassin, Floréal et Grand-Bé. Et Port-Lieu aussi. Je vous demande ça parce que j'ai un petit secret à vous dire. Notre DJ régulier qui est là avec nous, Yudish. Alors, depuis la dernière fois que vous étiez avec nous pour la Connection, ouais. Il est tombé amoureux et ne parle que de Bachata Kizumba. Ah, ben il est le bienvenu. Il est là. Alors, voilà, super. Message à passer pour vous. Peut-être qu'on le fera danser après avec nous. Pourquoi pas? On va parler du danse salsa, Cuban salsa. Et alors, parle-nous de cette danse que vous allez faire pour nous. Alors, il y a différents styles de salsa. Donc d'abord, la salsa, la musique salsa est née à New York. Donc la danse salsa est née là-bas. Donc la salsa style New York, la salsa style Los Angeles. Donc là, c'est ces deux salsas qui se dansent en ligne. Puis ensuite, il y a la salsa cubaine, la salsa style Miami qui se danse en cercle. Donc ça se danse d'une façon assez différente. Et il y a encore aussi la salsa de style colombienne où là, c'est surtout des footwork. Donc plein de jeux de jambes, plein de jeux de pieds. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment la salsa cubaine parce qu'à Cuba, ils n'avaient pas autant d'argent qu'aux États-Unis pour se payer un parquet et des miroirs. Donc c'est plus populaire, c'est plus social, c'est plus la rue. Okay. Après, je sais qu'en Europe, du coup à Maurice aussi, on danse légèrement différent qu'à Cuba. Est-ce que les Maurice ont mis nos petites sauces piquantes dedans? Nous, à Maurice, comme on apprend à danser, la majorité des gens qui viennent nous apprendre, nous, viennent d'Europe.
Donc, les Européens dansent différemment que les Cubains ou que les Dominicains pour la bachata. Et nous, ben, on danse plus comme des Européens. D'accord. Et c'est la même chose pour vous, Sandrine ? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Cuba et justement, comme dit Terence, de pouvoir danser dans la rue, puisque dès que cette époque-là, quand je suis allée, c'est vrai qu'il y avait les enfants dansent dans les rues. Donc, c'est une danse vraiment populaire. C'est pas comme la salsa en ligne ou portoricaine ou autre. C'est beaucoup plus chorégraphié, on dira. La salsa cubaine, c'est vraiment plus adapté à tout le monde. Donc, dans ce sens-là, l'esprit est différent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. On a hâte de voir votre danse aujourd'hui, chers dames et messieurs. Ils sont là dans le studio live avec son équipe, Terence, bien sûr, Baila con Stilo, in their first beautiful performance, Cuban Salsa. Esa niña tiene un buen baila. Pero cómo no se va a mover, se está sonando el hito revés y su charangón. He pensado mil veces decirte que me enloqueces al verte pasar con tu andar de cadencia elegante. Mi cabeza comienza a vibrar. Delicada mueves tus caderas con un suave y marcado compás. Vas bailando de acera en acera, provocando a los hombres mirar. Contemplando me quedo extasiado, observando un ángel caminar. Me pregunto si no estoy soñando o estoy fuera de la realidad. Es que todo tú lo has estudiado, combinado para impresionar. Al final todo está bien logrado, tú has ganado, yo lo voy a aceptar. Mira, esa niña tiene un nuevo aquí, esa niña tiene un nuevo. Pero tiembla, tiembla hasta el firmamento, se para hasta el viento cuando ella sale a bailar. A sonar y a apresar. Esa niña tiene un mueve aquí, esa niña tiene un mueve para allá. Los hombres te admiran cuando ella moviendo se inspira, bailando en la tropical. Oye, Gilberto, como mueve su cintura, como digo yo, qué tendencia, pero qué tendencia. ¡Wea! Ella tiene, mueve pa' aquí. Más de 50 años ha sonado la revés, dándole brillo y caché a la región oriental con su changüí. Puso a bailar a Cuba y al mundo entero. Hay que quitarse el sombrero, el hito, el charangón está como nuevo. Parece que se cae, pero no se cae. Oye, con el changüí que te trae. Parece que se cae, pero no se cae. Siguen pasando los años y está el viejo el charangón. En homenaje al viejo rebelde tocando con mucho sabor. Amazing dance performance pour vous, chères dames et messieurs, live dans le studio avec nous aujourd'hui. Bien sûr, pour célébrer la danse, Baila con Estilo. Et bien sûr, comme d'habitude, on va faire des petits pas ensemble. Mais juste avant, alors là, c'est nouveau. Alors, on parle toujours avec les chorégraphes, les directeurs. Là, laisse-moi voir. Allez, Shirley, vous êtes là, tout près. Alors, Shirley, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé vers la danse? Pourquoi c'est important pour vous? Avant tout, pour moi, la danse, c'est thérapeutique. Parce que, eh oui, en 2016, je reviens d'une rupture d'anévrisme. Je cache mes cicatrices. Au lieu de choisir la gym, j'ai choisi la danse. Et vous le faites très, très bien. Je vous félicite. Alors, on va faire des petits pas ensemble, des petits basics, avant d'enchaîner. DJ, some music. Pero como no se va a mover, se está sonando el hito revés y su
charango. Et voilà, chers dames et messieurs, come on, let's dance. We will be back after this little clip about salsa dancing. Estoy pensando en dedicarme a la agricultura. Salsa, son nom signifie sauce et signifie aussi dans le langage populaire cubain sensuel et attirant. La salsa, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est un mélange culturel de rythmes d'Amérique latine, comme le son, le guaguanco, la rumba, le mambo, le cha-cha-cha, la bomba, la plena, avec des influences de rythmes américains tels que le jazz, la soul, le blues et de rythmes européens. Elle se danse de façon générale en couple, mais également seule, laissant libre cours à l'improvisation. Elle s'exporte en Europe et dans le monde entier dans les années 90 et connaît le même succès. La danse s'appuie sur les bases du son, du mambo, ainsi que des mouvements d'autres rythmes, de façon à amener une manière commune de danser. On dit salsero pour désigner le danseur et salsera pour désigner la danseuse. Alors, comment se connaît-on pour célébrer la danse autour du monde aujourd'hui? Bien, oh, I will say South America, but a dance was very, very famous in South Korea. K-pop, K-pop made famous by BTS. This is Evolution of Dance Part 1. Evolution of Dance. That was Evolution of Dance, Part 1, of course, a K-pop, very, very popular dance, et bien sûr, Come on, let's dance, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis avec mes invités, Terence et Sandrine. Terence, est-ce que vous avez un danseur, un chorégraphe, quelqu'un qui vous inspire? Les personnes qui m'inspirent, donc il y a deux couples. Donc le premier, c'est Ataka et la Alemana, qui sont des Américains. Et eux, ils dansent la bachata moderne. Donc c'est leur programme que j'enseigne dans nos cours. Ensuite, plus proche de nous, on a Cornel et Retika qui font un style plutôt fusion avec urbaine et sensuelle, qui sont basés à Bombay. Et donc ce qu'on fait nous, avec l'école, on organise des voyages de temps en temps. Donc comme en fin septembre, on va aller à Goa. Donc pour ceux qui veulent venir, laisse-moi on va à Goa. Dire Goa, the nightlife is fantastic. Ouais. Gonna love it. Allez, vas-y. Et voilà. On part aussi à La Réunion où il y a aussi des festivals de danse et ça permet aux Mauriciens de se développer un peu plus
à l'international. Alors, c'est comme un exchange où vous voyagez avec le groupe, Sandrine. Alors, tout le monde, vous allez... Alors, avec notre école, notre union, en fait, on organise. Donc, pour aller... Ben là, on était récemment à La Réunion en décembre. Il y avait des membres de l'école, mais il y avait aussi d'autres personnes qui dansent à Maurice, d'autres écoles aussi qui étaient là-bas. Donc, c'était sympa d'avoir tout le monde. On était à peu près une trentaine. Donc mais c'est sympa bien. D'avoir tout le monde. Absolument. Que vous pouvez... ouais, on s'est bien amusé. Ah ouais, c'était vraiment sympa. Ça se voit avec un sourire de terrain. Et on a bien mangé. Bien mangé, bien sûr. Et vous aussi, alors, vous êtes très à l'aise. Alors, dites-nous vos petits secrets. Parce que sur scène, lorsque vous dansez là, sourire, élégance et tout est là. Oui, mais moi aussi, j'étais débutante. J'étais débutante, ça, il ne faut pas oublier hein, que on a tous été débutants. Donc après, ben, c'est vraiment la pratique, c'est la passion, la pratique. Donc c'est venir danser régulièrement pour pratiquer tout ce qu'on a appris en cours déjà, parce que ce n'est pas facile de se souvenir toutes les figures. Donc voilà, c'est compliqué et il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer, venir. Ne pas désespérer. C'est vrai qu'au bout d'un mois, peut-être qu'on a commencé, on se dit ah, c'est trop compliqué, j'ai envie d'arrêter, c'est pas pour moi. Mais en fait, c'est là que vraiment, c'est à ce moment-là qu'il faut persévérer parce que à partir du deuxième, troisième mois, on voit vraiment la différence. Ouais. Donc il faut pas juste faire un mois et se dire c'est pas pour moi. Il faut vraiment essayer parce que si c'est vraiment quelque chose que vous voulez, si ça vous passionne. Et je pense que la danse, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le moment où on danse, qu'on vient, en dehors du fait de rencontrer du monde, on a ce temps pour soi et on est là, on est déconnecté du travail, on déconnecte de la vie de tous les jours, on est vraiment en train de compter 1, 2, 3, 4, on est là à penser sa figure et on n'est pas du tout à penser ce qui se passe après. Donc c'est vraiment, c'est ça qui est sympa aussi avec la danse. There you go, social dancing. Talking about social dancing, bachata is a form of social dancing from the Dominican Republic, hein, c'est vrai. Alors vous allez nous dire un peu plus ça. Et spécialement, vous avez dit au début qu'il y a de bachata moderne. Est-ce qu'il y a un bachata classique aussi? Oui, donc en fait, la bachata est née en République dominicaine. Okay. Donc c'est les danseurs, donc la danse originelle de République dominicaine, c'est le merengue. Et en fait, donc les orchestres jouaient aussi du cha-cha, de la salsa, du son et d'autres danses. Et au fil des années, ça a donné, donc les Dominicains ne savaient que danser le merengue, donc ils dansaient le merengue sur ces danses. Et au fil du temps, ça a donné la bachata, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ensuite, ça a voyagé, ça a été codifié aux États-Unis. Ça a donné la bachata moderne. Et plus récemment, ça a voyagé en Europe. Et les Espagnols ont inventé la bachata sensuelle. Donc c'est une danse qui date des années 2000 en fait, pour la bachata sensuelle. Mais ne dites jamais à un Dominicain que la bachata sensuelle est de la bachata, sinon il va s'énerver. Ah bon, d'accord, moi je fais bien attention. Alors, votre danse préférée, alors bachata, kizumba ou ça c'est quoi? Alors moi, de base, avant de venir à Maurice, c'était le rock'n'roll et le tango argentin. Puis à Maurice, quand je suis arrivé, c'était la salsa cubaine. Et au fil du temps, en voyageant, en faisant les festivals de danse, j'ai remarqué que je me dirigeais toujours vers le coin bachata. Aujourd'hui, c'est la bachata, ma danse bachata. Favorite. Et pour vous, Sandrine, alors plusieurs formes de social dance et votre favori? C'est compliqué d'avoir un favori, mais c'est difficile. Ça dépend du moment, ça dépend de la c'est musique. Il fallait choisir. Ça dépend de la musique. Il fallait choisir pour ouais, le reste de votre vie. Le reste de ma vie, oula. Ouais, qu'une seule type de danse social. Je dirais salsa. Salsa. Ouais. Voilà. Un grand merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Chers dames et messieurs, nous pouvons célébrer la danse en beauté aujourd'hui. And of course, it's Latin dance. In the meantime, là, nous préparons un joli petit clip pour vous. Alors, allons visionner ça ensemble. Le bachata est un rythme dansant originaire du République dominicaine, plein de folklore. On peut le considérer comme un mélange de boléro, merengue, cha-cha-cha et tango. C'est une danse sensuelle, se dansant sur une musique latino, mais avec un rythme bien reconnaissable. En raison de son peu de reconnaissance, elle était très peu diffusée en radio, mais à partir des années 1980, avec l'expansion des moyens massifs de communication et l'apogée du tourisme, elle va se répandre à travers le monde.
Le mouvement du bachata est facile, en une série de pas qui produit d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre sur un rythme musical de 2 fois 4 temps. La plupart des danses caribéennes sont des danses de fusion intimement mêlées au chant et danses des esclaves africains pour la musique, et parfois la structure de cette danse a été influencée par le meunier ou les contredanses africaines avec l'apport de la population créole qui a fusionné les diverses rythmiques africaines et même parfois la musique cubaine. Et un grand merci à toute l'équipe de la MBC et bien sûr à tout le monde présent ici aujourd'hui, comme le DJ Yiddish qui est là avec nous. Et là, maintenant, un grand merci aussi à nos partenaires Kurtz Mammut, Scarbeats Limited, Maison Sacha, Adopt, Citadel, Dude, ici tout correct. Maintenant, avant de découvrir la gagnante de la semaine dernière, et bien sûr, moi, vous dites comment faire pour participer, bien sûr, remporter un voucher d'une valeur de 2000 roupies offert par Adopt et bien sûr à Tamak Group. Voilà ce qu'il faut faire. Jouer avec l'MBC et remporter un bon d'achat d'une valeur de 2000 roupies offert par Adopt Tamak Limited. Répondez à la question suivante. La Kizumba est originaire de quel pays? Réponse A, Angola. Réponse B, Seychelles. Tapez danse, espace la réponse A ou B. Vous envoyez sur le 84 84 pour Mighty Mobile, 83 83 pour Chili, 87 78 pour MTEL et vous avez jusqu'au 28 mars pour y participer. On vous souhaite bonne chance. And in their second dance performance, Bachata, ladies and gentlemen, sit back, relax and enjoy. This is Baila con Estilo. Supe que día te olvidaste de mí y de mí.
beautiful, smooth, essential, passionate dancer for you. This is a number, Bachata, by Baila Con Estilo, live in the studio of Come On, Let's Dance. We will be back after this commercial break. The beauty about Come On, Let's Dance, we have amazing dancers, amazing performances every week pour vous, chers dames et messieurs. Et là, je sais que vous allez adorer. Coming up next, it's Name That Dance. Name That Dance. Name That Dance avec, bien sûr, le groupe Baila Con Estilo avec nous dans le studio. Et bien sûr, laisse-moi vous expliquer. Alors, on m'a donné 5 types de danse, 5 types de danse, en fait. Et bien sûr, je vais essayer d'imiter, de faire les danses pour vous. Et vous allez me dire c'est quelle danse. Le DJ, lui, va mettre une musique. Alors, pas nécessairement correspondre avec les danses. And then we'll get the chance to do it together. Who's that? Terrence, okay? Oui. DJ, put some music on. Le premier. Ok, le premier. Hip-hop. Hip-hop. Félicitations à vous. Alors, on va le faire un petit hip-hop ensemble. Tout le monde. Voilà. Non, attends. Allez, viens devant avec moi un coup. Alors, venez avec moi devant. Je faisais ça tellement bien. Alors, on m'a dit de ne pas bouger là, quand toi, je vais bouger. Alors. Deuxième. Ok, let's go. Disco? New Jack Swing. Voilà. New Jack Swing. Très bien. Alors, DJ, New Jack Swing, let's go. Ok, let's go. Voilà. Un petit épaule. Très bien. Un peu de Johnny Gill, New Jack Swing, Bobby Brown. Troisième, c'est facile. John Travolta is in the house. Ok, d'accord. Let's go. In the house, je vous l'ai dit. Ok. Disco. Le Zohar. Very good. Disco. Let's do some disco. DJ, let's go. Very good. 3 out of 5. 3 out of 5 so far. The next one, c'est vraiment facile. I won't be able to do it correctly avec these shoes. It goes like this. Moonwalk. Let's put some music. Let's moonwalk together. Okay. We'll try it. Alors, revenez avec nous. Merci DJ. Alors, c'est un very fast moonwalk. Hein? Ok, the fifth one is a very... It's funny, it's going to be funny, but it's a very good dance. It goes like this. Sega! Sega Rodriguez. Merci beaucoup Terence, Sega Rodriguez. DJ, let's do some Sega Rodriguez, ok? Voilà, grand merci. Alors, vous faites ça tellement bien. Alors, vous faites ça tellement bien. Vous êtes Rodriguez? Oui, je suis d'origine Rodriguez. Mais non, maintenant, donne ça à ce point-là, ça, c'est triché, ça. OK, un grand merci à vous, un grand merci à toute l'équipe. Félicitations, 5 sur 5, Name That Dance. Alors, mesdames et messieurs, coming up next, it's Evolution of Dance, part 2. Evolution of Dance.
That was Evolution of Dance, Part 2, K-pop Dance from Korea. Et bien sûr, je suis avec mes invités, deux nouveaux invités au fait. Alors, lui, the joker of the group, Jace. Et bien sûr, John qui est avec nous. On commence avec Jace. Alors, Jace, comment ça va? Très bien, merci, Jerry. Et toi? Alors, tu as aimé le titre que je t'ai donné, the joker of the group? Ouais, c'est typiquement moi. Ouais. Alors, toujours souriant. Alors, faire un petit force avec le groupe. Alors, c'est très important d'avoir quelqu'un comme vous dans un groupe qui mette un petit peu l'ambiance et bien sûr taquiner les autres. Exactement. Donc, surtout pour ce qui concerne la danse, je pense que c'est important de garder quelque part une âme de gamin, on va dire, pour justement garder les choses un petit peu plus fun. Vous regardez. Créatif. Ah, oui, les gars. Ah, ok, d'accord. Et bien sûr, John qui nous vient de l'île de Rodrigue, vous êtes à Maurice depuis combien de temps? Depuis toujours. Depuis toujours, donc ouais, Maurice. Je suis né à Rodrigue, mais j'ai grandi ici, mais après j'ai bougé un peu. Ok, d'accord. Dans le monde. Je vous félicite et quand on essaie de faire un Name That Dance, comme une langue, ça c'est gâté, typique Rodrigue là, tout le monde vous a vu devant, il était là en pleine forme. Alors ça se passe bien pour vous avec le groupe, John? Oui, ça se passe très bien et comme Jace dit, on est un peu tous des gamins quand on est ensemble. Et je remarquais ça, surtout quand vous êtes ensemble, vous deux. Alors là, Terence, vous êtes à tiroter avec vous deux, je crois. Là. Alors, c'est Jace qui fait un peu plus de désordre. Alors, Jace, juste avant, Jace, il me dit un petit secret et il me dit que... plusieurs d'entre vous sont venus dans le show de Love Connection. Alors, l'année prochaine, il a mis déjà son nom pour y participer. Là, c'est vrai, hein? Oui. C'est déjà fait. Oui, avec John. Avec John. Alors, on va parler de Kizomba, enfin, créé en 1984 et bien sûr Angola. Alors, parle-nous de cette danse, votre danse favorite. Donc, la danse, la Kizomba, pour moi, au fait, a commencé ici à Maurice, il y a 10 ans. Donc, c'était pour moi la première expérience vraiment que j'ai eue en social. Parce qu'auparavant, donc, il y avait complètement une barrière entre moi et les danses. Et ça m'a aidé vraiment à me découvrir un petit peu. Et donc, la Kizomba elle-même a été créée en Angola et après, ça a été évolué en Europe. Universal, ouais. Oui. Et maintenant, donc, on remarque pas mal de musique, que ce soit locale ou internationale, sur lesquelles on peut danser très facilement. Et c'est une danse qui attire les yeux, mais aussi une danse qui est appropriée pour tout le monde, en fait. Parce que si jamais on la prend dans son sens littéral, donc qui veut dire festivité, en Angola, c'est danser littéralement entre les petits-enfants et les grands-parents et autres et autres et autres. Tout le monde le fait. Vraiment pour tout le monde. Mais après, ce qu'on voit, c'est une évolution d'autres types, c'est-à-dire que la Kizomba va s'exporter dans les pays latins ou alors autres. Et là, on va voir plusieurs influences afro ou alors purement latines, très classiques ou alors autres. Donc, on va avoir des mix, des mélanges de saveurs un petit peu à la Kizomba qui va faire que vraiment tout le monde, que ce soit des gens qui soient un petit peu plus portants ou alors plus minces, qui ont un style beaucoup plus dans les hanches ou alors plus droit,
Donc tout le monde vraiment trouve son petit grain de sel à rajouter. Et la kizomba étant toujours en train d'évoluer, donc c'est ce qui rend encore plus, c'est ce qui donne encore plus de place pour vraiment tout le monde venir et commencer à danser. C'est une danse qui se danse facilement. Nous les Mauriciens, on a une petite cadence un petit peu naturelle. Déjà avec le cigane, nous connaissons ça roule ça la hanche là, très très bien. Voilà. Donc ça. Et après, bon. Il ne faut que commencer la première fois et après c'est comme une drogue. Dès qu'on commence, fini. On est dedans. On est dedans. Alors John, est-ce que vous avez l'occasion de temps en temps, quand vous partez en vacances à Rodrigue, de montrer, faire un petit show, la famille, un petit show off? Alors l'occasion pour aller à Rodrigue, il y en a, je vais pas souvent. Mais comme tu dirais, pour leur montrer, eux ils sont plus un petit peu traditionnels, c'est plus le Sega, leur truc. Surtout la famille, hein. Je parle pour la famille, je parle pas pour toute l'île en entier. Et j'ai essayé. Mais à un moment donné, ça n'a pas trop marché, donc il n'aime pas trop. Mais il faut essayer de temps en temps, quand oui, même. Oui, on essaye. À chaque fois que je pars en voyage là-bas, ben, j'essaie de l'introduire, de leur donner un petit quelque chose, de leur faire prendre goût. Mais ça va venir. John sera en mission bientôt. Il va être notre ambassadeur à Rodrigue. Et justement, John, là, et là on a un petit clip pour proposer tout le monde. Moi, j'espère aller de Rodrigue. Merci beaucoup, Ben Tigimel, que vous avez venu. Ça fait vraiment plaisir que vous adorez ce jeu. Et bien sûr, un petit clip. Vous êtes inspiré, et peut-être quand John Dini montre un petit peu Kizomba. Let's check it out. La Kizomba est le résultat d'une évolution. Le mot désigne à la fois un style de musique et un style de danse. Kizomba est un mot angolais qui signifie fête en Kimbundu, une des langues les plus répandues en Angola au sein du groupe ethnique des Bantous. L'expression angolaise Kizombadas, telle qu'elle était utilisée au cours des années 50, référait à une grande fête, mais n'établissait pas, comme elle le fait actuellement, de lien avec la danse et la musique. Les danses traditionnelles nommées Samba, Kabetula, Karsukuta, Maringa, Kaduk, Rebita, Sidralia, Dizandra furent à l'époque prédominantes. La plupart d'entre elles sont en première instance des danses de carnaval. Vous pouvez en découvrir un grand nombre séparément à l'occasion du carnaval da Victoria qui se déroule à Luanda, capitale de l'Angola. Il est indéniable que la danse Kizomba est en train de conquérir le monde entier comme musique romantique qui caresse l'oreille et danse super sensuelle qui captive l'âme. Et encore une fois, merci beaucoup Jace et John qui étaient sur le plateau avec moi. Et bien sûr, comme vous le connaissez, on peut célébrer la danse aujourd'hui. It's Latin dancing. Alors, sit back, relax and enjoy encore une fois. This is, of course, a Baila con Estilo and the beautiful Kizomba number. Vamos conversar. Prometi pra mim que hoje nós não vamos nos tocar. Mas o teu sorriso, o teu abraço disse logo não. Caiano Music. Mas esse teu charme, esse teu olhar disse logo não. Quem te mandou usar esse perfume? Quem te mandou fazer isso comigo? Quem te mandou usar esse perfume? Quem te mandou fazer isso comigo? Combinamos não se tocar, só que eu já tô papapuê. Tipo bebê, vou precisar babete. Combinamos não se tocar, só que eu já tô babapuê. Tipo bebê, vou precisar babete. Dei por mim, rolou beijo. Eu que não queria, agora quero. Essa tua picada tem veneno. Oh, na, na, na. Quando olhas pra mim assim, não aguento mais. Quando olhas pra mim assim, aumenta a tensão. Quem te mandou? Quem te mandou usar esse perfume? Usar esse perfume. Quem te mandou fazer isso comigo? Quem te mandou usar esse perfume? Usar esse perfume. Quem te mandou fazer isso comigo? Combinamos, não se
Beautifully executed right here, Kizumba. What a beautiful dance. Alors, I was just in a trance watching the dancers. Et bien sûr, ça fait envie d'aller danser et bien sûr rejoindre le groupe. I will tell you how a bit later on. In the meantime, un grand merci encore une fois. Baila con Estilo live dans le studio de Come On Let's Dance. Maintenant, mesdames et messieurs, écoutez bien, you can win a voucher worth 2,000 rupees, de 2,000 rupees, bien sûr offert par Adopa. Voilà ce qu'il faut faire. Avec l'MBC, remporter un bon d'achat d'une valeur de 2000 roupies offert par Adopt Tamak Limited. Répondez à la question suivante. La Kizumba est originaire de quel pays? Réponse A, Angola. Réponse B, Seychelles. Tapez danse, espace, la réponse A ou B. Vous envoyez sur le 84 84 pour Mighty Mobile, 83 83 pour Chili, 87 78 pour Mtel et vous avez jusqu'au 28 mars pour y participer. On vous souhaite bonne chance. Et voilà, chers dames et messieurs, vous pouvez jouer avec l'MBC et remporter ce voucher d'une valeur de 2000 roupies. Et là, coming up next, un grand merci à tout le monde qui est parvenu dans cet email. Alors, pour participer au Guest Artist of the Day, au fait, it's simple, envoie un petit WhatsApp sur le 5-255-1720. Restez avec nous, coming up next, Artist of the Day. Give it to me, give it to me, give it to me. Et nous revoilà avec l'artiste of the day. Aujourd'hui, on est très, très fiers de l'avoir avec nous, très connu on social media. Alors là, c'est le slam. Slam is known for their texts, for their passion, et bien sûr, le message de passer de temps en temps. Il est là, très connu, et il s'appelle La Fleur Malade. Alors, tout d'abord, le slam à l'Emory, c'est vraiment un man-lore qui peut vraiment grandir. Alors, présentez-vous. Allô, moi, personnellement, La Fleur Malade, je te connais moi comme La Fleur Malade, mais mon prénom, c'est Ivans. 30 ans, cette année-ci, et bien sûr, je fais slam depuis 13 ans maintenant. Je commençais dans le collège, dans une compétition interscolaire, et depuis ça, je commençais mes amis, là, au moins 15 aujourd'hui. Alors, qui inspire-vous, en fait, inspire-vous pour rentrer dans le monde du slam? L'inspiration est venue quand mon professeur, j'ai demandé, il était pour venir faire slam. Je me dis, oui, nous venons, nous allons. Et premier texte, mon écrit, première fois, mon performe. Et à partir de là, quand on m'a dit, ou tout, un gymnase, élevant, tu lèves, tape la main pour vous comme ça. Mais ça fait ligne là, mes amis, je l'ai quitté encore après ça. Et voilà, ouais, le goût de stage et tout ça. Exactement. Alors, depuis que inspiration, alors, quand tu as une inspiration pour te faire un texte, et le message qui te passe quand tu fais te faire un show? Alors, mon message qui me passe, c'est vraiment une affaire personnelle, dans le sens que je ne m'impose pas mon point de vue. Du monde, mais c'est important, c'est qui pour moi. Et après, il y a aussi une question de créativité dans le sens que moi, l'imagination assez débordante et mon compte en fait du storytelling, raconte bandes histoires, etc. Donc, c'est là que moi, j'aime bien texte, gaz, toutes les sens. Comment est-ce que tu te prépares pour, avant de faire un jeu? Comment te préparer à un slam? Comment on y prépare? Alors, ça a une autre façon, vraiment, ça a une autre façon de préparer. Moi, je du monde qui mangeait, moi, je du monde qui pas mangeait avant préparer, etc. Moi, l'IP, c'est une petite isolation. Comment dire, quand c'est une petite pause, je me touche, je répète un coup, je répète un texte net complètement. Du moment où je fais Halle et l'amour. Cool, dans le bas. Ok, d'accord. Un petit message. Et bien sûr, tu connais, moi, un peu le temps, moi, content qu'il y ait un petit tips. Là, tu pas de moi trop, mais ça fait rien. Ça fait rien. Un petit tips, tout le monde jeune qui peut être dans ce moment. Quoi dans eux et
pena bon, pena mauvais slam. Et là, c'est un monde qui a envie de traverser ce message et qui a envie de passer ce message. Donc, quoi dans eux, venez de l'avant, si vous avez besoin, puisqu'on sait que capable de contacter moi, mon passe du public, la fleur malade, le tout bon réseau. Mais surtout, quoi dans eux, et be true to yourself. Passez, imite un tel, non, fais ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de faire. Et un grand merci à toi, un grand merci de nous avoir mis aujourd'hui pour cher ton talent avec tout le deal Maurice. Et bien sûr, nous souhaitons bonne chance et m'espérer que tu pourrais venir encore. Oui, comment te connais, nous verser à la porte là pour tous les artistes, pas seulement la danse. Alors, si je vais nous en ce moment-là, alors laisse-moi dire si je vais faire différents gymnastes, je vais jouer un instrument, je vais venir montrer mon talent, vous êtes les bienvenus. Mais avant de nous quitter, l'amour, tu es content de faire un petit show pour nous? Ah oui. Un grand merci encore une fois. Chers dames et messieurs, il est là, live dans le studio. Il peut faire son jeu juste après. Vie ordinaire jusqu'à ce que tu y fasses ton entrée. Je suis pas fanny, mais à ton port, je suis ancré. On vit au clair, inutile de se planquer. Quand je cligne des yeux, tu commences à me manquer. C'était trop beau, c'était trop vrai, mais trop vrai pour moi. J'avais des crocs, j'étais pas prêt, mais pas prêt pour toi. C'est un irie à comprendre, mon cœur était protégé. Il t'a suffi d'un regard et t'as tout ravagé. On s'attache, mais les liens sont trop serrés. On est dans l'œil du cyclone que nous avons créé. Moi, je ferme ma bouche, toi, tu repasses une couche. L'amour à la petite cuillère, les disputant la louche, le seul à faire des efforts quand entre nous s'affoire. Une relation qui est sous assistance respiratoire. Amour en phase terminale, notre fin est imminente. Quand ton soleil se casse, l'éclipse est permanente. 3 mois que tu n'es plus là et je peux toujours pas y croire. Ma joie de vivre est ton esclave et j'ai des idées noires. En ton absence, mon bonheur est ta propriété. J'oublie mon malheur jusqu'à la sobriété. Laissé comme une merde, je me fais entourer. Trop longtemps sur le banc de touche, là je vais jouer. Je parle à des meufs qui ne font guère le poids. Ouais, c'est vrai qu'elles sont belles, mais elles n'ont rien de toi. Elles pensent qu'un jour, peut-être, qu'on va se mettre ensemble. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de devenir la légende. Jouer à la chasse au trésor, comme un conquistador. Après le corps à corps, la conquise d'Ador. Elle parle de sentiments, mais j'exécute la sentence. Tu m'as détruit et je compte bien obtenir ma vengeance. De plus en plus, moi, j'ai l'appétit d'un cachalot. Nos mères ont créé des hommes, les meufs ont créé des salauds. Et arrive l'âme sœur, et là, ça colle étrangement. T'as laissé un bordel et elle a fait du rangement. L'amour au naturel, non il n'y a rien de tendu. Elle a réalisé les rêves que tu m'avais vendus. Et là j'ai compris que l'amour était ainsi. Un genre de parce que, à tout et pourquoi, que je n'avais pas perdu la femme de ma vie. Tu n'étais juste pas faite pour moi. On remercie encore une fois, bien sûr, La Fleur Malade. Et bien sûr, vous pouvez le retrouver on Facebook, on social media. We are celebrating dance right here in the studio. We need to clip your rock and roll for you to watch. Le rock and roll est né d'un mariage entre le blues, le rhythm and blues, la country et la musique folk. Si beaucoup ont entendu parler du rock and roll pour la première fois grâce à Elvis Presley, il faut savoir que ce style musical existait déjà bien avant. Ce style de danse s'est notamment popularisé avec l'arrivée du rock, une musique qui a bousculé les codes et qui a longtemps été le symbole de liberté et de l'indépendance dans la culture américaine. C'est plus précisément en 1951 que le terme rock'n'roll a été officiellement évoqué par le célèbre DJ américain nommé Alan Freed. Après avoir constitué un vrai phénomène culturel aux États-Unis, le rock'n'roll a ensuite envahi l'Europe. En France, la façon de le danser évolue constamment et diffère en fonction des régions et des goûts musicaux. Le rock and roll englobe d'ailleurs plusieurs autres styles de danse tels que le rock acrobatique. All good things must come to an end, but I have my guest Terence et Sandrine sourire avec un grand sourire avec moi on the set. Un grand merci à vous tout d'abord d'être avec nous aujourd'hui. Alors moi j'ai bien aimé les danses, les différents types de danses. Alors vous enseignez juste à kizomba et bachata ou vous faites d'autres danses? Alors, on fait aussi d'autres danses, dont notamment du rock'n'roll. On donne aussi des cours de tango, de valse notamment. On a beaucoup de demandes pour les gens qui veulent se marier. Donc, voilà, donc on fait ça aussi. Principalement, c'est ce qu'on fait en dehors des danses latines et la kizomba. Et bien sûr, si on veut vous contacter sur Facebook, social media, il y a d'autres moyens? Alors, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, donc c'est BCE underscore
Mauritius. Et donc après, le website, c'est dance-in-mauritius.com. Alors, c'est fait, c'est fait. Merci beaucoup. Terence, alors, vous allez me proposer une danse finale rock and roll. Alors, pourquoi le rock and roll? En fait, le rock and roll, c'était ma danse de prédilection quand j'ai commencé à danser. Et j'aimerais développer ça à Maurice. Mais c'est un peu compliqué parce que les gens ne savent pas qu'il y a ça. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens aiment danser aiment les soirées années 80. C'est les soirées où il y a le genre de musique sur laquelle on peut danser le rock. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est le rock citan. Okay, donc c'est typiquement français. Un grand merci encore une fois. Et bien sûr, un petit mot de fin à de vous. On commence avec vous, Sandrine, un petit mot de fin. Pour tout le monde qui vous regarde. Moi, je dirais juste, venez vous amuser, venez essayer, apprenez quelque chose de nouveau. C'est toujours bien d'apprendre des nouvelles choses. Donc, venez, mettez-vous au défi, challengez-vous et venez nous rejoindre. Voilà. Et vous, Terence? Tout d'abord, je tiens à te remercier, toi et toute l'équipe, de nous avoir invités et de pouvoir faire la promotion de notre passion. Et pour tout le monde, la danse, c'est social, c'est fait pour tout le monde, comme l'a dit Sandrine. Et je serais heureux de vous voir tous danser sur la piste. Bien, bien dit. Alors moi aussi, je vais venir vous voir. Hein. Ladies and gentlemen, that's it. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la MBC, à vos DJ et bien sûr à tous les danseurs qui étaient là aujourd'hui parmi nous. Un grand merci à nos partenaires, Courts Mammouth, Maison Sacha, Scarbeats Limited, Adobe, Bottega Verde, Citadel, Tama Group, thank you very much. Like I said, all good things must come to an end, mais on va vous quitter en beauté. They have been amazing today. Baila con Estela in the last performance, which is a little rock and roll number. In the meantime, like I always say, comme je dis toujours, take care, be good, always be good, ciao. You tore through my heart like a tornado looking for a trailer park. And your white trash business on a cast culture clash at the mark. We met on a Monday, it is Sunday, it happened so fast, they said it wouldn't last, yeah, but what do they know? Why can't they say so?